J'ai pas encore essayé vraiment cette aile en downwind. Mais je dois dire que ça marche bien. Hein. On peut vraiment faire des erreurs, repartir, aller vraiment lentement, tourner. C'est. Ouais, c'est fou hein. Ah, j'ai presque tendance à dire que ça marche mieux à 1400. Hein. C'est dingue, hein. Je sais pas. C'est un peu similaire. On tourne mieux, mais on peut aller moins vite. Enfin, je pense que ça dépend de la vitesse de la houle. Des fois, c'est bien. Parce que j'avais essayé une première fois, et vraiment, la houle allait trop vite. Donc, ça dépend vraiment des conditions. Hein. Là, je suis sur un vent qui est en train de tomber. Je dois avoir 10-12 nœuds à tout péter. Ça glide, hein. Y a pas à chier, ça glide. Chercher la vague, une fois que tu es sur la vague, regarde-moi ça. Ça va tout seul, hop. Oh oh. Et ouais, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir. Cette 1180, c'est une aile à tout faire. Hein. C'est une aile à tout faire. La 1400 et la 1180, deux ailes très très bonnes. La 1180 va mieux tourner, la 1400 va aller plus vite. C'est à vous de voir. Je sais pas quoi conseiller. C'est embêtant, hein. Je me rends compte que c'est embêtant. Mais c'est sûr que pour pomper longtemps, la 1400 c'est mieux. Tourner sur ces petites vagues là.